Les secrets de conception du flipper Freddy. Freddy Krueger est un personnage de fiction créé par Wes Craven, incarné pour la première fois par Robert Englund dans Les Griffes de la Nuit en 1984, ainsi que dans les 8 autres films de la saga, puis par Jackie Earl Haley dans le remake de 2010 Freddy, Les Griffes de la Nuit. Tueur en série brûlé vif par les parents de ses jeunes victimes, Freddy revient d'entre les morts sous forme démoniaque afin de poursuivre et assassiner des adolescents dans leurs rêves. Et si Freddy arrive à tuer les adolescents dans leurs rêves, alors ils seront tués dans le monde réel. Je fais ces rêves. Il y a cet homme. Et il est brûlé. De Freddy Troupin, de... 3, 4, monte-toi, 4 à 4. Ne t'endors pas. 5, 6, n'oublie pas ton crucifix. 7, 8, pour que l'on dort plus la nuit. Il est caché sous ton lit. Aidez-moi! Réveille-toi! Chris, réveille-toi! Réveille-toi! Faut pas t'inquiéter. Tu sentiras rien du tout. Défiguré et muni de griffes fixées sur un gant de cuir, le personnage est une icône du cinéma d'horreur. La franchise reçoit globalement des critiques mitigées, mais connaît un franc succès commercial. En comparaison avec les scores au box-office américain d'autres séries de films d'horreur, Les Griffes de la Nuit est le deuxième franchise la plus lucrative du cinéma. En 1988, une série télévisée sera même produite sous le nom Freddy, le cauchemar de vos nuits. Freddy y est le présentateur. Il y aura 44 épisodes. Freddy est une saga des plus emblématiques du genre, aux côtés d'Halloween ou Vendredi 13. Désireux de surfer sur le succès commercial de la franchise cinématographique, Gottlieb produit en octobre 1994 le flipper Freddy. La série de films a été un succès mondial et premier technologie détenteur de la marque Gottlieb s'attend à faire de ce flipper un best-seller en termes de vente. Pour l'occasion, premier technologie demande à l'acteur Robert Englund, qui incarne Freddy, d'enregistrer des voix spécifiques pour le flipper. La bande-son originale du film sera également digitalisée et reprise pour la bande-son du flipper.
Hélas, le succès n'est pas au rendez-vous. Seulement 2800 machines ont été vendues. Les raisons de cet échec ? Probablement la concurrence. N'oublions pas que Williams Bally domine le marché et les exploitants misent beaucoup sur les flippers à succès de cette firme pour faire de la caisse. Gottlieb est sur le déclin. Le plateau est relativement vide, les règles simplistes et le gameplay n'est pas des meilleurs qui soient. Mais esthétiquement, la caisse et le plateau sont magnifiques, avec un choix de couleurs judicieux au niveau de l'éclairage principal et de la track mode. La bande-son et les gadgets du flipper collent parfaitement à l'ambiance de la franchise. On y retrouve le visage de Freddy brûlé et défiguré en haut à gauche du plateau, la main aux longues griffes d'acier sur le côté gauche qui renvoie balle sur le plateau, et des rasoirs qui retiennent la bille en bas du plateau pour prolonger le jeu du joueur, une sorte de ball save. On apprécie aussi le multibille à 4 balles. Revenons un peu plus en détail sur ces gadgets, et notamment sur la tête 3D de Freddy elle-même. Le premier fabricant à avoir intégré une tête animée parlante dans un flipper est Williams, avec le flipper Funhouse, conçu en 1990. Williams a d'ailleurs intégré son invention en déposant le brevet Pin Nation, et Williams réutilisera une dernière fois cette invention 4 ans plus tard afin d'intégrer deux têtes parlantes dans son flipper Red and Ted's Roadshow de 1994. Afin de ne risquer aucun procès, Gottlieb fera beaucoup de changements sur la tête de Freddy pour ne pas reproduire à l'identique ni la mécanique ni les effets de la tête. Au niveau des ressemblances, le Freddy et le Funhouse Ruddy avaient tous deux une tête à peu près de la même taille et les deux bouches bougeaient en synchronisation avec leur voix pendant qu'ils vous parlaient. La première différence se situe au niveau du mécanisme. La bouche de Freddy a été animée par une bobine standard sous le plateau de jeu, tirant sa mâchoire de haut en bas, alors que Williams utilisait un moteur réversible pour faire parler Ruddy. Deuxième différence, la bouche de Ruddy avalait et recrachait la bille. De plus, chaque fois que votre bille frappait sa bouche fermée, il criait un « Ow ». Freddy avait sa tête parlante montée légèrement au-dessus du plateau de jeu, de sorte que vous ne pouviez pas tirer la balle dans la bouche de Freddy. Bien sûr, cela excluait les rebonds aériens de la bille, très rare quand cela se produisait. Un couloir idéalement placé permet à la bille de rentrer dans la tête de Freddy, sans passer par sa bouche, et c'est là toute l'astuce, avant d'être éjecté par la bouche de Freddy sur le plateau. Le brevet de Williams impliquait en effet que la bille entre directement dans la bouche de Ruddy. La troisième différence se situe au niveau des yeux. Du côté de chez Williams, Ruddy dans le Funhouse and Red and Ted dans le Roadshow ont les yeux qui pouvaient suivre la bille lorsqu'elle se déplaçait sur le plateau. Facile à faire car le mouvement de l'œil gauche était effectué lorsque le flipper détectait que la bille frappait des objets sur le côté gauche du plateau et réciproquement quand la bille frappait des cibles sur la droite. Ne pouvant reproduire le mouvement des yeux d'une autre manière, Gottlieb a simplement décidé d'éclairer les yeux de Freddy avec des lampes brillantes qui clignotaient à différents moments du jeu et lorsqu'il parlait. Donc malgré leur ressemblance, les têtes animées de Gottlieb et Williams ont finalement peu de points communs, rendant Gottlieb inattaquable vis-à-vis des juristes de Williams. Vous le savez, l'autre particularité de Freddy, outre son visage brûlé et défiguré, c'est d'avoir une main gantée aux longues griffes d'acier.
Gottlieb se devait donc de placer une grande griffe sur le côté gauche au milieu du plateau de jeu. La griffe était attachée au mécanisme de batteur standard du système 3 de Gottlieb. Abordons maintenant la question des problèmes fréquents sur ce flipper. Le premier type de problème à mentionner, c'est que les quatre doigts supérieurs de la griffe de Freddy sont souvent cassés, la faute à la matière utilisée, du plastique trop léger. À noter aussi que juste en dessous de la tête de Freddy, il y avait à l'origine un moule en caoutchouc représentant le visage de l'âme des morts. Ce moule couvrait quatre cibles fixes. Il faut savoir qu'au cours de ces 27 dernières années, le caoutchouc s'est en général beaucoup détérioré. Et c'est la raison pour laquelle, sur beaucoup de flippers Freddy, le caoutchouc n'est plus présent, laissant visibles les cibles rectangulaires rouges qui sont derrière. Sinon, comme pour tout flipper Gottlieb System 3, la mécanique et l'électronique restent fiables et robustes. Je vous laisse avec une vidéo du gameplay. Yeah.
Voilà, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait, laisser des commentaires, la liker et la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !